Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi qui viens. Je l'espère en ma demeure, jusqu'au matin, tu le sais bien. Jusqu'au matin, tu le sais bien. Dans les jours de solitude, où mon pas est incertain, dans les jours de déchirure, que tu es loin, que tu es loin. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi qui viens. Je l'espère en ma demeure, jusqu'au matin, tu le sais bien. Jusqu'au matin, tu le sais bien. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui nous sommes mercredi, le 17 août. Aujourd'hui, on pourrait faire, mais on va faire cette messe votive en vue du synode. Oui, oui, le synode existe encore, même si la partie public est terminé. Voilà qu'on rassemble les notes et on rassemble les discours dans les différentes conférences pour présenter lors du synode des évêques une synthèse de tout ce que nous avons dit. Mais plus important encore que ce qui sera dans le document final et terminal, ce sera cette démarche de synode où nous aurons été appelés à travailler ensemble comme peuple de Dieu, consulter le peuple de Dieu. Voilà une démarche que le pape François veut laisser à son Église. Prenons un instant, approchons-nous de Dieu. C'est lui qui nous apporte sa joie, sa paix et sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, toi qui conduis et protèges ton Église, nous t'en prions. Répands en tes serviteurs un esprit d'intelligence, de vérité et de paix, qui discerne de tout cœur ce qui t'est agréable, et l'ayant reconnu, s'y attache de toute leur force. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Quel malheur pour les bergers d'Israël qui sont bergers pour eux-mêmes. N'est-ce pas pour les brebis qui sont bergers? Vous, au contraire, vous buvez leur lait. Vous vous êtes habillés avec leur laine. Vous égorgez les brebis grasses.
vous n'êtes pas berger pour le troupeau. Vous n'avez pas rendu des forces à la brebis chétive. Soignez celles qui étaient malades. Pansez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené la brebis égarée. Cherchez celles qui étaient perdues. Mais vous les avez gouvernées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées faute de bergers pour devenir la proie de toutes les bêtes sauvages. Mon troupeau s'égare sur toutes les montagnes et toutes les collines élevées. Mes brebis sont dispersées dans tout le pays. Personne ne les cherche. Personne ne part à leur recherche. C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole du Seigneur. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, puisque mon troupeau est mis au pillage et devient la proie des bêtes sauvages, faute de bergers, parce que mes bergers ne s'occupent pas de mon troupeau, parce qu'ils sont bergers pour eux-mêmes au lieu d'être pour mon troupeau, eh bien, bergers, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Me voici contre les bergers. Je m'occuperai de mon troupeau à leur place. Je les empêcherai de le faire paître. Et ainsi ils ne seront plus mes bergers. J'arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus leur proie. Car ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, 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 alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur.
Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à cela, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même vers 5 heures. Il sortit encore, mais trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi, chacun, une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais, parce que moi, je suis bon? » C'est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Une parabole que je comprenais un peu, que j'avais appris à connaître. Mais voilà qu'une lecture ces derniers temps du livre Jésus, je ne me souviens pas du titre de l'auteur, c'est un auteur espagnol, un évêque espagnol qui a écrit cela, et qui racontait que pour cette parabole-là, il y a quelques détails historiques qui valent la peine que je puisse vous les raconter. La journée de travail commence à 6 heures le matin. Dès le lever du soleil, la journée commence et elle se termine à 6 heures le soir. Ceux qui ont été les premiers ont eu du travail pendant 12 heures. Et il y en a eu qui sont à la 9e heure, à midi, à 3 heures et même à 5 heures, 1 heure avant la fin de la journée. Et pourquoi ces gens-là n'ont pas pu travailler plus longtemps? Les heures supplémentaires, ça n'existait pas à l'époque. Le maître, normalement, ce n'est pas sa mission d'aller chercher les ouvriers sur la place. Ce sont les contremaîtres qui font cela. Mais dans la parabole, c'est le maître. Il tient, lui, à choisir ceux qui travailleront à sa vigne.
Et ne vous inquiétez pas, hein, ce n'était pas la coutume de passer à 6 heures, à 9 heures, à midi, à 3 heures et à 5 heures. Non, même à 5 heures, ça ne vaut même pas la peine d'inviter les employés à venir travailler. Mais chaque ouvrier se présentait sur la place pour être engagé. Et un denier ou une pièce d'argent, c'était ce qui était nécessaire pour un homme pour être capable de nourrir sa famille aujourd'hui. Un denier, une pièce d'argent, c'est ce qui est bon pour nourrir sa famille pour une journée. Alors vous comprenez que c'est symbolique que tous reçoivent ce qui est nécessaire pour nourrir sa famille. Le maître n'a pas distribué de l'argent pour rien. Ce n'était pas tant qu'il avait besoin d'ouvriers pour sa vigne, mais il voulait que tous et chacun puissent se nourrir pour cette journée-là. Que chacun puisse avoir quelque chose qui entre et qui vient nourrir sa vie. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Donne-nous le pain de chaque jour. Cette prière du Notre Père. Jésus vient de l'expliquer longtemps pour dire qu'à chaque jour suffit sa peine et à chaque jour tu auras ce qui est nécessaire pour ta famille. Oui, voilà un peu comment le rêve de Dieu peut s'accomplir. Et le livre d'Ézéchiel nous rappelle que si nos dirigeants et si les gens qui s'occupent de nos pays ne sont pas dignes de confiance parce qu'ils pensent plutôt à se remplir les poches plutôt qu'à rendre la dignité de chacun de pouvoir travailler pour avoir ce qui est nécessaire pour nourrir sa famille, alors, comme Dieu le dit, je les chasserai. Je les empêcherai de prendre soin de mon troupeau. Eh bien, au Québec, s'en vient des élections. Ce sera à nous de vérifier que le gouvernement que nous allons élire sera un gouvernement qui donnera à notre population ce qui est nécessaire pour vivre. Ce qui est bon pour vivre, pour que chacun puisse manger à chaque jour. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle qu'il est là avec nous, qu'il ne nous abandonne pas, mais qu'au contraire, il nous offre ce qui est nécessaire pour nous à chaque jour. À travers ce pain, à travers ce vin, Seigneur, ce sont tes grâces que nous recevons chaque jour, ni plus ni moins, mais ce qui est nécessaire pour notre foi, pour notre vie. Nous voulons te les offrir. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu très bon, regarde l'offrande que tes serviteurs te présentent et accorde-leur ta grâce de ta lumière, qu'ils comprennent vraiment ce qui est juste à tes yeux et le mettent en œuvre avec assurance. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit-Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, chantons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dieu de miséricorde, nous t'en prions, que la communion au Saint-Mystère enracine tes serviteurs dans la vérité et les aide à chercher ce qui fait honneur à ton nom. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai eu la chance, lors d'une autre célébration eucharistique, de pouvoir rencontrer une de mes femmes. Non, c'est quelqu'un qui suit la messe de tous les jours et qui était heureuse de pouvoir me rencontrer. Et j'étais heureux de pouvoir rencontrer quelqu'un qui suivait cette messe YouTube. Mais puisqu'il y a des gens qu'on peut rencontrer comme ça, je me permets de vous lancer. Je sais que pour ceux de l'île de la Réunion et ceux de la France, ça sera peut-être compliqué de répondre à ma demande. Mais dans la paroisse Saint-Charles-Garnier où je viens d'arriver, nous sommes à la recherche d'une secrétaire pour prendre les messes, pour organiser un peu pour organiser la vie de la paroisse. Et c'est un poste de 16 heures semaine. Alors, je vous invite à communiquer avec la paroisse Saint-Charles-Garnier. Et dans la note de l'épisode, eh bien, je vous marquerai un numéro de téléphone pour nous joindre ou pour nous trouver l'adresse du site Internet. Ce sera plus simple. Donc, simplement, s'il y en a qui ont le goût d'offrir une présence dans la paroisse, d'offrir une présence dans ce milieu, alors je vous invite à communiquer. Et pour les autres, ben, priez. Continue à prier, Seigneur, et nous donne ce dont on a besoin. Maintenant, je demande au Seigneur de vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi qui viens. Je t'espère en ma demeure jusqu'au matin, tu le sais bien, jusqu'au matin, tu le sais bien.